quoi tu rimes avec ton parfum d'aspirine. Ne perds pas ton temps, plus rien ne me mine. J'ai le moral et les idées clines. C'est lui ma médecine, mon antidote, le remède à tout. Rien ne me contamine. J'ai le sourire à l'épreuve de tout. Déprime à quoi tu rimes avec tes joies que tu abîmes. Passe ton chemin, tu as mauvaise mine. Ton image de marque décline. Qu'est-ce que t'as? Tout va bien. Ça va pas très très bien. Qu'est-ce que t'as? Tout va bien. Ça va pas très très bien. Mais qu'est-ce que t'as? Mais tout va bien. Mais ça va pas. Mais tout va bien. Mais qu'est-ce que t'as? En direct de la chanson de Michel Faux. Vous êtes dans la chanson, Fred, ça se passe très bien pour le moment. Ouais, super. Hein? Ça me permet de faire une vocalise, de monter sur le mi. Ouais. Je suis jamais monté à cette note. Pour le moment, le jury écoute la chanson. Pour le moment, le jury est enthousiaste. Les intentions sont là, avec une interprétation libre quand même de Michel Faux. Complètement. Il est complètement à l'aise, il est complètement bien dans ses baskets. C'est un homme en liberté, mais qui respecte le texte. C'est un oiseau. Pour moi, j'ai un oiseau. J'ai un oiseau qui se pose et qui revole. On écoute tout de suite la suite, Michel Faux. Pour le moment, je dis le jury, on approche du 10, je vois. Sauf peut-être la Serbe qui est votée 7 sur 10. Les primes, tu n'as plus la prime. Ça y est, là, il est libéré. Je te renvoie dans ton abîme. Il vient d'ouvrir la cage. Tu n'as plus de quoi faire de la frime. On est un chanteur qui joue la situation. Et les idées clean. Il vient d'ouvrir la cage. Il vient d'ouvrir la cage. Ouvrez la cage aux oiseaux. Il se passe de très très belles choses. Il me fait signe de couper. Tout de suite, Michel Faux dans des primes de Sylvie Vartan. Ouais. Sylvie, maintenant que tous les enfants ont chanté, on va leur mettre une note. Je voulais féliciter Michel. J'ai trouvé qu'il l'a très bien interprété. Les paroles étaient justes. Et je lui mets un 10. Et je l'invite dans un parc d'attractions de son choix.